Salut à tous les amis, c'est One2. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Enemy Front sur PlayStation 3 donc. Donc c'est un jeu développé et édité par CI Games, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un FPS sur la Seconde Guerre et étant fan de FPS et de la Seconde Guerre, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire ça. Par contre j'ai lu quelques critiques avant quand même, hein. Et les critiques sont très mauvaises. Vraiment très très mauvaises. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, les réglages gamma, oui, bon, on va y aller comme ça. Hein, hop. Alors, solo multi option, bonus DLC. Option déjà. Commençons par ça. Un sous-titre, oui. C'est bon, ça pourrait être mieux. Hop. Voulez-vous apporter des modifications? Oui. Audio. Non, 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 ça c'est bon. Vidéo, ouais, il n'y a que le gamma. Et les commandes, ça, je n'y touche pas, on verra. Bon, on va tout de suite lancer ça. Et on va voir ce que ça donne, c'est parti. Solo, nouvelle partie. On va y aller en facile, hein. On va pas se casser la tête. Puis on va voir ce que ça donne, hein. Même si j'ai vraiment peur, mais bon. Mais c'est moi où il y a des ralentissements, même dans les cinématiques. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Appuyez sur Start pour commencer, allez go. Et ça, c'était la cinématique de début ou... Ah, non. Oula! Oh là là. Oh. Non, c'est bien pour de la PS2. Oh mon dieu. Oh mais qu'est-ce que c'est moche. Ici Varsovie. Varsovie appelle toutes les nations libres. Je m'appelle Robert Hawkins. Je suis un correspondant de guerre américain. Et j'émets depuis le cœur de la ville assiégée de Varsovie. Je vais vous raconter une histoire. Celle d'hommes et de femmes ordinaires qui ont résisté à l'oppression et à la tyrannie nazie à travers l'Europe. Pendant 4 années, j'ai voyagé avec des personnes remarquables. Des partisans, des combattants de la liberté et des membres de l'armée de l'intérieur. J'ai vécu et combattu à leur côté. J'ai été témoin des sacrifices qu'ils ont faits au nom de la liberté. J'ai suivi leur histoire. Et il est maintenant temps de les raconter. Il s'agit de l'histoire de la résistance. Allez, on se bouge. Ok. Je ne pense pas que ce serait si terrible. Mon dieu. Nous devons retourner sur la barricade. Ah, ça c'est bien, mais out, pour une fois. Alors, attends, visez, oh, sous L2 et R2 pour tirer, normal. Survivre à l'attaque. Ouais, automatiquement des munitions, ok. Oh putain. Ah si, une visée au total. Donc apparemment le jeu tourne sous le CryEngine. On a du mal à le croire mais bon. Il n'y a pas un système de couverture. Putain, ils ont même pas pensé à ça. Oh là là.
quoi. J'y vais, j'y vais. Oh là là. Quoi? Ah. D'accord, il y a des scripts. Et vous vous débrouillez très bien avec une arme à feu. J'ai passé quelques temps en Espagne en 1938, et puis en France. Ouais, eh ben. Oh putain, encore un tour dans les égouts. Ouais, ouais, j'arrive, Coco, je veux juste voir. Ouais. Bon, y'a rien. Ça sent encore le gros jeu couloir, ça. Allez, descends, putain! Par là. Des voix venues de sous terre. Vous avez fouillé dans mes affaires? Bien évidemment. Appuyez sur Select pour utiliser le journal. Le journal contient des informations utiles telles que les objectifs d'émission et la carte du niveau. Waouh! Et je suis où? Page suivante. Un secret trouvé, ouais, d'accord. Bon, y'a rien. Ou plutôt des observations. Allume la lumière, s'il te plaît. Je vais augmenter le gamma, ça, c'est pas possible. On n'y voit rien. Il s'agit de la patrie de ma mère. Il m'est impossible de ne pas y penser. C'est bien. Allez! Non, là, y'a rien. Putain, je me perds. Non plus. Triangle, c'est quoi? Changer d'arme. Ouais, donc on a deux armes. L1 et R1, pour l'instant, ça sert à rien. J'aimerais bien trouver un secret, voir à quoi ça ressemble quand même. Mais non. D'accord. Oh là là, oh là là. Oh là là. Dès qu'il y a une... Oh là 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 là. Dès qu'il y a une sauvegarde, il y a des ralentissements de malade. Nous nous emparons de Sainte-Croix. Nous frappons les nazis par surprise, et ce depuis au moins deux points d'entrée. Êtes-vous avec nous? Bonjour. Salut toi. Non, j'ai une autre mission pour lui. Nous avons besoin d'au moins deux points d'entrée dans l'église pour prendre l'ennemi par surprise. Je vais voir ce que je peux faire. Ce tunnel vous mènera à côté de l'école. Et cette route est le chemin le plus rapide jusqu'au commissariat. Vous pourrez vous procurer un nouvel équipement auprès de Kowalski là-bas. Vas-y. Nous retrouverons plus tard. Bon, on va te faire voir. On va aller par là. Voir s'il n'y a rien du tout. Vous deux, vous êtes avec moi. Allons-y. Mais il parle à qui? C'est bon? Que préférez-vous? Oh, le car 98, j'adorais cette arme dans World at War, dans Code World at War. Mais on va quand même prendre la MP40. Du tunnel au dépôt, du tunnel à la prison. Ben, je sais pas. Allez au dépôt. Pas envie d'aller en tôle. Ça va, niveau munitions, on est pas mal. Il y a une case de munitions tous les 3 mètres. Là, il n'y a rien. Ok. Allez, lève la tête, mon bonhomme. Voilà, fais ton petit lag pendant la sauvegarde. Putain, mais c'est dégueulasse qu'ils n'arrivent pas à gérer ça. Ça me rend fou. Oh là là, oh là là. Là, là. Mais les rats. Il m'en donne un. Tiens. Si. Ah non, t'es obligé d'échanger. Oula, elle est où? T'es obligé d'échanger ton arme principale pour une autre arme. Ouh, salut toi. Alors, est-ce qu'on peut se la faire? Discretos. Ah, faut pas être pressé quoi. Oh. Ok. Il est où ton petit frère? Il est là-bas. Alors apparemment, il y a une barre rouge en bas à gauche, enfin à droite de la map. Ça va être la barre de... Comment dire? De discrétion, je pense.
suis pas sûr, hein. Je vous dis ça, je suis vraiment pas sûr. Si je me lève. Non. Ouais, si, c'est ça. Ah, c'est... Donc, c'est... Quand il vous voit, la barre augmente et je pense... Je suppute que si elle se remplit complètement, il vous grille. Ah putain de... J'ai pas l'habitude du L2R2 pour tirer et viser sur PS3, c'est horrible. Et oh, oh, oh. Ok, lui il passe à travers les portes. Ok. Ah, donc il y a un peu de fouille à faire pour trouver les secrets, mais... Enfin, je pense que je vais pas le faire. Hein. Ça me semble normal. Bon, le seul truc bien pour l'instant, c'est la sensibilité. Je la trouve juste parfaite. Non, bon. Allez, on peut pas ouvrir les portes, bien sûr que non. Donc ça va être un jeu couloir. Super. D'accord, donc ça c'était un secret. Ok. Bon, de toute façon, je ne vais pas m'amuser à finir le jeu à 100%, à le platiner ou quoi que ce soit. Là, c'est la version donc PS3 en démat que j'ai pris sur le store avec mon abonnement PS Plus. Ouais, il était au prix de 25€ pour les abonnés PS Plus. Donc, apparemment, avec flèche du bas, on peut jeter des pierres à la manière de... C'était quel jeu ? C'était Sniper Elite. Sniper Elite V2. Je crois qu'il faisait ça. Et Far Cry aussi, d'ailleurs. Ah, j'ai pas une grenade là. Allez vous faire fou. Par contre, la... Enfin, la map, je supporte pas ça. Encore en multijoueur, d'accord. Mais là, indiquer où sont. Et oh, oh. Allez. Voilà, prends ta tête. On va essayer de les contourner un peu, hein. On va tester l'intelligence artificielle un peu. Salut. Oula, toi t'avais les pieds. Oula, tu t'enfonces dans le sol mon garçon. C'est en dessous qu'il faut que j'aille bien sûr. Allez. Est-ce qu'il saute bien? Non, il saute pas. Pas plus que ça. Ma barre de vie, est-ce que j'ai une barre de vie d'ailleurs? J'ai pas pensé à ça. Alors j'ai une barre d'endurance, c'est la barre de gauche sur la map. Ouais, donc ça va, il peut courir quasiment un marathon avant d'être essoufflé apparemment. Salut. Oui, bof. Ça va, discrétion. Il y a des caisses de munitions tous les 3 mètres, ça c'est... Et des armes aussi, tous les 3 mètres. Ça c'est un peu dommage. Il y a un aliasing de dingue. Oh. Alors, les gars, en jaune, c'est quoi? C'est des ennemis, c'est quoi? C'est des ennemis, ça? Ah oui. Oh, putain. Allez, on fait exploser la... La salle, là? Non. Il y en a... Oui. Par contre, la sensi... est trop haute quand on est en train de viser. Elle est parfaite si on vise pas, mais quand on est en train de viser, elle est un peu dégueulasse. C'est ça que j'aurais pu pas avoir une carte qu'on vise. Aïe, aïe. Mais donnez-moi une grenade. Hein? C'est quoi ça? Alors, flèche de gauche, ça vous donne une autre arme. Je les vois pas. Ouais, c'est la visée auto qui me sauve, hein. Je le dis clairement là. Allez, toi, boum. Voilà. T'es sérieux, toi? Oh là là, la fumée est dégueulasse. Enfin, les flammes sont dégueulasses. Allez! Je te vois. Mais arrête! Mais t'es sérieux, toi? Allez, on va le contourner.
Donc quand ça apparaît en orange, ça veut dire qu'on peut faire exploser, apparemment, si j'ai bien compris. Miou. Ah mais il est parti. Pourquoi je me prends des balles là? Ah non, je suis en rouge, mais je sais pas pourquoi. Bon. Allez, cours mon garçon. J'aimerais bien récupérer mon UMP. Ok, non, ça c'est... Oui, non, ça va, calme-toi. Oula. D'accord, on peut utiliser des jumelles. Ok, alors on va pas les utiliser parce que c'est quand même violent. Alors, l'objectif, il est où? Il est là. D'accord. Pour déclencher, hein, vous pouvez des... Hein, j'ai rien compris. Bon, on verra bien sur place parce que là, je ne comprends pas. Aucune profondeur de champ, il n'y a rien. Il faut déjà retourner dans les égouts. Donc ça, c'était une mission, en fait. Eh bien. Allez, toujours une heure pour descendre. Je sais pas, je suis peut-être trop, un peu trop critique, parce que passant des FPS sur PS4, Steve Wolfenstein et tout ça, ça fait mal. Mais, enfin, je sais pas. Tout de suite, chef. C'est fou. Ouais, bah allez. Allez, je vous fais la prison, ça fait quoi, 17 minutes, allez, je vous fais la prison, puis basta. Ça ira bien. Moi, je me le finirai tranquille. Et, mais je pense pas vous faire un test dessus non plus, parce que non. Hein. Oh là là. Je hais les ralentissements. J'aime pas les jeux mal gérés comme ça. Allez, cours mon coco. Oh là là, oh là 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 là. Bon bah faut pas courir en fait parce que le jeu arrive pas à suivre. C'est marrant. Il est où lui? Il y en a. Oh, papa! Allez! C'est où? C'est là-bas. Et ben on va faire le tour. Hein. Oh là là. Mon dieu que c'est moche. Oh puis allez vous me saoulez de toute façon. Hop hein. Tant qu'un indicateur de bruit est à l'écran, les ennemis ne peuvent pas entendre vos tirs. Attendez qu'il y ait un gros bruit en vous aidant de l'indicateur. D'accord. Ouais, on, enfin comme dans tous les films qu'on a vus sur la Seconde Guerre, comme dans World at War aussi, dans Call of World at War. Attendre que les bombardiers passent au-dessus ou qu'il y ait un bombardement pour tirer, pour pas qu'ils entendent les tirs. Comme on a vu dans Le Soldat Ryan, dans Band of Brothers aussi, je crois. Donc c'est du classique vu, revu et re-revu. Hein. Pas beaucoup de... comment dire... d'invention, d'inventivité, je sais plus comment on dit. Donc je vais rien dire, ça m'évitera de dire des conneries. Joli la glissade. T'es trop bien caché derrière ton arbre, toi. On ne voit pas du tout. Ah putain, et voilà, je parle et je me fais buter. Bon, et ben on va, ouais, on va s'arrêter ici. Ça fait 20 minutes, puis ça me gonfle déjà. Donc ouais, on va vraiment s'arrêter ici. Donc bah je vous le conseille pas. Hein. Clairement, je pense que vous avez compris. Non, c'est, enfin, c'est moche, entre clipping, aliasing, l'IA défectueuse, on va dire. On va être gentil.
Non, enfin voilà quoi. Si vous voulez faire un bon FPS, même sur PS3, ouais, je crois que Wolfenstein doit y être. Donc prenez Wolfenstein. Hein. Quitte à faire la seconde guerre, même si elle est un peu revisitée dans le jeu. Voilà, ça sera toujours mieux que ça, apparemment. Enfin, je pense. Bon, bah, je vous laisse là-dessus. On se retrouve prochainement pour. On va se faire une vidéo sur Mario Kart 8 avec les gars de la taverne du troll. Et on a un défi aussi à faire, faut jouer à Super Mario Bros. Premier du nom, les yeux bandés, avec Nono qui me guide à côté. Et pour achever la difficulté, on va faire ça après un apéro, hein, tant qu'à faire, histoire que ce soit un peu plus drôle pour nous comme pour vous. Donc voilà, bon bah je vous laisse là-dessus, puis je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter si vous voulez bien sûr, et puis abonnez-vous si vous voulez également. Et puis on se retrouve prochainement. Allez, ciao ciao tout le monde.